Vous avez le son, ça c'est top. Alors, c'est déjà ça. Tout n'est pas perdu. On a perdu que 2 minutes au final. Rattrapé. Alors hier, on a fini Cosmo Canyon avec l'histoire de Kobe, de Red 13, de son prénom. Et surtout, on a remappé les boutons. Et on était là. On est arrivé au petit village de Nibelheim, qui était censé être détruit par les flammes et qui au final, non pas trop. Nanaki, son vrai nom, oui, c'est vrai, pardon. Red 13, c'est son nom d'expériment. Alors là, tout le monde est à fond, c'est génial. On m'a dit, n'hésite pas à fouiller par ici, il se passe des choses. Sérieux? Ah, Poppy m'apprend qu'aujourd'hui, apparemment. Quoi? Ah, mais avec le décalage horaire du Japon, enfin, Poppy me dit que depuis hier, apparemment depuis le 31 janvier, c'est les 22 ans de Final Fantasy VII. J'ai vu aussi hier sur le compte de... Comment elle s'appelle? Kayane. Apparemment, il y aurait des rumeurs du Final Fantasy VII sur Switch. Ça serait ma fin, parce qu'en fait, là, je kiffe tellement le jeu que j'attends Final Fantasy VII sur PS4, le remake, pour voir ce que ça va donner une fois que j'aurai fini celui-ci. Mais s'il sort aussi sur Switch, ça veut dire qu'on peut voyager avec? Ou jouer comme une patate aux toilettes ou sur le canapé. Salut Nihon. Hier c'était ton anniversaire et celui de Final Fantasy. C'est beau la vie. Ah c'est pas juste des rumeurs. Oh. Ça fait plaisir. Alors, bonjour. Bon, on s'en fout, j'ai un peu. On va voir pour vendre des trucs peut-être. Corde électrique, c'est quoi ça? On produit éclair 2 sur tous les ennemis. Oh. On produit bio 3 sur tous les ennemis. Oh, pas mal ça, Bob de spatio-temps. Quelqu'un m'a dit garde les armes au cas où parce qu'avec Yuffie tu peux les lancer, mais. Je suis obligé de garder tous ces mégaphones, sachant que Didier, je m'en servirai jamais. Le morceau de piano, oui. Alors attends, le morceau de piano, je l'avais noté, mais sur mon bloc-notes, donc ça veut dire qu'il doit être quelque part. Pourquoi c'est par ici qu'il faut jouer le piano? Mais je l'ai déjà fait dans le passé, non? Mon Dieu, je note beaucoup. Alors c'est do, ré, mi, si, la, do, ré, mi, sol, fa, do, ré, do. Attention les spoils, hein. Azendra qui s'énerve de suite. Tu mens. Ah, ok, Orson est super vénère. Ah, t'es où? J'aimerais bien qu'il lance une séquence de combat là. Ah, il... Qu'est-ce que c'est ça? Ok, il y a des choses bizarres dans ce village. J'imagine qu'on va en apprendre plus sur Orson du coup. C'est pas censé être la maison de Cloud ici? Avec sa mère? Et donc personne ne se souvient de l'incendie de Sephiroth et... Et que le chien qui a l'air de vouloir me dire la vérité. Ouh! Un autre personnage mystérieux. Et Barneko. Partir à la Réunion. Salut doué doué. Je fouille tout, hein, comme on m'a appris, on m'a dit clique partout, on verra bien. T'as fini
Final Fantasy 7, Final Fantasy 9, 10, 10-2 HD Remaster, 12 The Zodiac Age n'arriveront pas avant l'année prochaine sur Xbox One et Nintendo Switch. Hier, c'était les 20 ans de Silent Hill. Dis donc, il y en a des anniversaires. C'est comme s'ils sortaient tous en janvier. J'ai pas joué du piano. Ah, voilà. Ouais. Comment je fais pour sortir? Fais sortir s'il vous plaît. Fallait choisir oublier, bah oui, ça me paraît évident. Oh putain, ah voilà. J'ai oublié. Alors. Oh là 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 là, quelle merde. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Do Ré Mi Fa Sol La Si. Où est mon stylo? Attendez, je me fais un petit truc. Il y a intérêt que ça vaille le coup, les amis, parce que si vous m'avez fait ça pour gagner un élixir, je vais gueuler. Hein. Alors, Do, c'est annulé, donc c'est rond. Do égale rond. Ré, c'est changé, c'est carré. Mi, menu, c'est triangle. Fa, c'est la croix. Ouais, la bannière. Si ça donne une super potion, je hurle, hein, je vous préviens. Sol. Page bas plus annulé. C'est quoi page bas? Plus, alors annuler c'est rond, là c'est changer c'est carré, et j'espère qu'il faut pas le faire en temps réel parce que sinon on va souffrir les amis. L1 ou R1? Ah c'est précédent ou avant, donc j'imagine que c'est L1 alors. On va essayer. Parce que Do aigu et tout ça on s'en fout un peu, j'imagine, j'espère. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Alors voyons. Do. Mi. Là, c'est quoi? Voilà. Mi. Voilà, j'ai joué le truc. Je comprends pas. Je m'ai trompé? Alors attends. Donc ça ferait. Je vais le noter là, ça ira plus vite. Do. Ré. Mi. L1 triangle. L1. Ré. Donc ça ferait. Voilà. Et après ça fait tac. Tac. Angle. Sol, c'est L1 haut. Bas, c'est la croix. Do. Ça ferait. Voilà. Il se passe quoi là? Il faut que je change de ville et que je tape dans les mains ou... Pour le refaire plus harmonieux, mais je peux pas le faire plus harmonieux. Tu as fait si sol et non si la. Non.
D'accord. J'ai oublié. Attends, moi j'ai Do, Ré, Mi, Si, La. Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Do, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Si, Sol. T'es sûr de ça? Alors attends, Do, Ré, Mi. Si, donc là c'est L1 et... Là. Donc attends, ça ferait Do, Ré. Tu fais Si, Sol au lieu de Si, La. Et je faisais pas Si, La, donc... sur la première séquence, tu veux dire? Donc ça ferait Do, Ré... Merde. Merde! Alors, Do, Ré... I, I, et là tu me dis Sol, Do, Ré, Sol, Fa. Vous êtes en train de m'embrouiller la tête en fait là. Parce que moi j'ai Do, Ré, Mi, Si, La, Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Do, Ré, Do. C'est ça ou c'est pas ça déjà? Il faut qu'on soit d'accord sur la mélodie. Oui là, mais tu joues un sol. Mais je joue plusieurs sols, sois plus précis. Non, me dis pas le premier là, tu remplaces par un sol. Dites-moi la partition, parce que là on est en train de partir sur des trucs où tout est mélangé en fait. On est en train de refaire un sketch de François Pérusse. Il est tombé sur le sol, sur son dos. Alors, Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi. Si, La, ça je l'ai. Do, Ré, Mi, Si. Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Do, Ré, Do. C'est exactement ce que je jouais en fait. Attends, Do, Ré, Mi, Si, La, ça je l'ai. Do, Ré, Mi. Donc le Si là que tu m'as fait rajouter, il est pas bon. Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Do, Ré, Do. Donc moi ma partition est bonne. Ah, attends, changer, changer. Ah, c'est carré. Ah, mais je suis con. En fait, je me suis noté la partition par-dessus, je me suis fait une espèce de tablature, sauf que mon carré ressemblait à un rond parce que je l'ai fait trop petit, en fait, comme j'ai voulu gagner de la place sur la feuille. Ok, je vois, je vois, je vois, je vois. Ça marche pas. Ré, Mi, Si, Sol, Fa. Ça a marché. En fait, on avait tous bon, c'est juste que moi je m'étais trompé sur ma partition, quoi. Donc il y avait que moi qui avait pas bon. Une pièce d'un gil est sortie du clavier. Les économies secrètes, un gil. On avait fait faire tout ça pour un Gilles. C'est important plus tard. J'espère. J'espère que c'est pas pour débloquer une vieille figurine, les amis. D'accord. Il faudra rejouer la partition ou c'est bon? Bonjour monsieur. Point de platine. Oh, c'est pour Tifa ça. J'oublie que j'ai les pages. Alors attendez. Ah mais on peut lui équiper déjà. Alors attends. Équiper Tifa. Oh c'est moins bien. Un peu déçu. Pas grave.
T'en rejouer, faudra rejouer la partie sur. Maintenant, elle est notée. Moi, je fasse bien gaffe au carré, mais ça devrait le faire. L'XP double pour le matériel. Ah merde! Je me disais aussi, ça me paraît suspect. Point de platine, croissance AP double. Je perds 8 en attaque quand même. Et 2 en précision. Puis là, sur Croc de Tigre, il y a 2 liaisons quoi. Ouais, je vais garder les anciens. Je garde les crocs parce que les liens c'est important quand même. Surtout je crois que je lui ai mis métamorphose donc T'as raté quoi? T'as raté un énorme concert de piano fantastique. Oh des petits caca qui bougent. Je sens qu'on va, vite retourner au manoir. Savoir ce qui se trame, mais je crois que j'ai pas tout trouvé encore. Mais ce sont des gens avec des capuchons. Non? Il appelle, Sephiroth appelle. Est-ce que ce serait pas les anciens habitants de Nibelheim avant que ça soit détruit quoi? Alors, si je me souviens. J'aime bien, fallait aller par là. Merde, j'avais une boîte. Reviens. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Est-ce que ça sabote, serait pas au feu? Vous pouvez vous calmer s'il vous plaît. Ah, super, je leur ai rien fait. Ouais. Cool, ils sont sensibles à rien. Putain, mais ils attaquent à une vitesse quoi. Je leur fais rien, c'est quoi ce délire? Eux non plus ne font rien. Enlevez vos morts. Voilà, merci. Je vois le côté où la balance penche. Et alors? Ouais mais tant qu'il fait ça il est invincible alors. Ouais mais tu vois quel sens ça c'est un truc que tu peux pas savoir. Ça c'est un peu injuste de la part du jeu quoi. La magie alors. Je sais pas mais tu testes. Ouais mais ça a une valeur d'empirisme complètement ouf quoi. Non, parce que là il peut changer sa balance de côté. Non ça va il a rien fait. Merci Camille pour le host. Voilà. Bon maintenant je le saurai. Quand ils penchent du côté gauche, ils sont sensibles à la magie, côté droit physique. Ok. Et Iris prend un niveau. Ah, il est là. Ah, Zob. Qu'est-ce que c'est que ces merdes?
Ah ok, merci. Ouais. Ok, c'est sensible à mes couilles, très bien. Je peux jouer en mandolin ? Comment ça se passe ? Ok, génial. Il est allé attaquer quoi là? Lui-même? Allez. Ah oui, les mobs sont clairement dangereux. Il y a un truc pour contrer la malédiction ou pas? J'ai mis des grosses claques dans la gueule. J'ai mis des grosses claques dans la gueule. Hey. Non, pour une source de magie, sérieux. On est parti. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il est au sol. Ok, super. Merci. Alors, Diotombo, gna gna gna. Faiblesse, la gravité. Ça m'aide. Sauf si j'ai un très gros aimant, je vois pas ce que je peux faire. Bravo. Voilà. Un petit côté Miley Cyrus. C'est vrai. Alors, sommes bientôt au niveau supérieur. Appuyez les combats, ce tunnel aussi. Pardon. Ah oui, je me doute que c'était pas un boss. Alors. Ah, bah il est là. Aïe! Putain, le mec il m'a jeté une materia. Let's blaze. Materia destruction. Elle est bien cette materia ou? Bon, je suis un peu plein niveau materia. On sait jamais, ça peut être rigolo.
déjà en train de râler dans le chat. Oui, t'as raté une porte, comment tu veux faire le jeu à 100% alors que t'as dit que tu voulais pas le faire à 100%? C'est quoi ça? Ah, c'est ça. Ça va pas s'ouvrir. Tu peux apprendre plus, tu peux lire les bouquins dans la bibliothèque là où j'ai tout. Non mais il y avait un livre là. Je vais le lire, tu vois. Bon, visiblement on peut faire avec la même chose. Vous voulez qu'on fasse l'énigme du manoir? Ça rapporte vraiment quelque chose de bien ou pas? Il est de dos ou de face? Il va faire de la magie. Prenez votre temps. Des animations plus longues et plus chiantes. Surtout pour faire un raté quoi. Sa limite. Il est sensible quasi qu'à la magie, donc on continue à le bourrer là-dessus. Alors, là je pense qu'on est parti sur 1h30 de manoir, puisqu'apparemment vous avez l'air en mode « Ah, il y a un truc de ouf et il y a un nouveau perso !» On va aller voir ça. Alors dites-moi, par où est-ce que je dois aller? Là on est en mode backseat... Alors, pas spoil, mais backseat autorisé pour me dire où est-ce que je dois aller et ce que je dois faire. Parce qu'apparemment c'est un truc optionnel. Alors je suis de dos. Comment je fais pour me retourner? Cible! 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 Retourne-toi! On va te faire voir. Je vais mourir. Une tête est sensible à magie, l'autre. Je ne peux pas utiliser son. Ils
sont résistantes ces saletés là. Voilà. Easy. Eric, bientôt nouveau niveau. Alors, par où on va dans le manoir? Est-ce que je reviens dans le hall d'entrée déjà? Au gros, la musique. J'aurais pas dû bouger. Ça va être relou par contre. Oh putain. Pas. Ah ouais, gauche. Ok, merci compagnie. Merci d'être venu. Rigole plus avec. Ouais, gauche. Lance missile. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est pour ok, c'est pour Barrett. Hop hop hop. Oh putain. Pourquoi je peux pas invoquer? Elle fait du breakdance en plus. Oh, ils ont raté. C'est le pire. Bien mourir s'il te plaît. Voilà. Alors on va pas l'ouvrir. On m'a dit d'ouvrir le coffre. Droite 36. 1 droite 36. J'imagine que je vais trouver le coffre. Alors attends, là ils sont sensibles physique. Note les indications. 1 droite 36. Ah non putain, il a changé de côté cet enfoiré, je l'ai pas vu, putain.
putain, ça. Bon, bah, je spam n'importe quoi là. Ah, quoi qu'il y en a deux qui sont passés en défense magique. Ah, il... J'aime pas quand il change en cours alors que t'as déjà prévu ton attaque. Là, y a rien, donc faut que je revienne, j'imagine. Rez-de-chaussée. Allez, tonton zap zap, on y va. Aussi, on envoie tout le monde, on s'en bat les couilles. Ah, c'est clair que c'est du pex, hein. Là, ça va être le méga pex de la mort. Et on y croit. C'est retourner à l'hôtel. Au d'un chaud. Ah, il y a eu du spoil. Ah bien. Alors, heureusement, Imeragi a été... Alors... Débarrasser de tout ce qui entrave mes recherches, même ce type de tueur que j'ai laissé induire. Il repose au sous-sol, si tu veux le trouver, fouille la zone. Couvercle de la boîte la plus oxygénée. Quoi? Attends. Un oxy, je vais mettre pour m'en rappeler. Oxygéné 1,36. Ivoire et ébène. Alors 2. Ivory and Ibony. Waribo. Boîte oxygénée égale coffre dans la salle. Quoi? Ah! En fait, ça t'aide à trouver les coffres, c'est ça ce truc là? Le sol grince près de la chaise au premier étage. Moi j'ai la connexion qui se barre au pute. Ensuite, 5 pas à gauche, 9 vers le haut. Alors attends. 2, 3. Donc ça va être le premier étage. Quand ça grince, tu fais 5 à gauche. 9 vers le haut, ça va être très chiant. 2 pas à gauche. 6 vers le haut. Le 3. Dès que j'entends grincer. Donc attends, là il me manque ivoire et ébène. Il y a une porte par là où il y a.
Ivoire et Ebène, ça serait pas le piano par le plus grand des hasards. Il y a un moment gênant là. D'accord. Voilà, je voulais pas craquer la limite de Cloud maintenant. Ah, premier étage, ça peut être le rez-de-chaussée, c'est ça, quel sangle? Ça va pas être la même musique que tout à l'heure, si. Là, des choses. Ah mais c'est pas la chanson de Tifa. J'essaie de voir si il y a un indice, mais d'un jouet, mais le piano c'est bien. Pour y aller en bas là. Je comprends pas l'énigme du piano. Hein. Oh mais non, mais barrez-vous. Vous êtes trop loup, c'est tout ce que vous êtes. Vous. Gameplay là.
Je veux fuir, s'il vous plaît. Alors, écoute ce combat de merde. Quelque chose est inscrit par terre. 2, gauche, 10. Gauche. 10. Alors, ça c'est cool. Donc là, il me reste plus qu'un à trouver. Ah, quoi qu'il y avait un truc de. Il n'y a pas le quatrième code, il m'a dit que 3. Oh, barrez-vous. Alors, Ah, il y a une porte là. Hey. Mégaphone d'argent. Ressort. On peut pas sauvegarder quelque part. Ah mais il faut que je retourne sur la world map à chaque fois. On va retourner à l'hôtel. Puis un gros trouillard. Ça me coûtera toujours moins cher que de claquer des soins. La lecture de l'indice, samedi premier étage et apparemment vous êtes en train de me dire c'est pas vraiment le premier étage parce qu'au Japon c'est pas tout à fait ça. Tout seul, c'est très bien. Oublie ce que j'ai dit sur le premier étage. Ah ben non ! Oh bordel ! Non, non. Salut. Parce que la chaise, elle peut se trouver où Retourne voir le papier, voir. Surtout pas. Allez bien tous vous faire voir. Ouais, c'est super. Allez, fuis! Ah, il y a 90 maintenant. Hey, noise. Droite 97. Donc il nous reste plus qu'à trouver cette putain de chaise. Putain, j'ai craqué de partout. C'est pas fait. Ok. C'est un petit salopère. Bon, lui je peux le taper, il est pas chiant. Petit jeu de Bislar quand même. Ah, la glace elle lui fait rien du tout, il s'en bat les couilles. Pour la chaise, regarde derrière toi. Lol. Putain! Calmez-vous immédiatement, Qu'est-ce qui se passe? Comme il m'a fait mal ce con! Contre sa pex, hein. Par magie. Ouais.
Alors... Pauvre fou. Oui. Ah, c'est cool, il attaque deux fois, c'est à dire. J'en vois pas 3000 malheureusement. Ou alors il y a une pièce que j'ai ratée. Ça, j'étais sur la bonne chaise. Ça a pas grincé. Non, mais c'est pas à côté de la chaise. Sur l'indice, il disait de bouger à partir de la chaise, je crois. Oui, mais faut que ça grince. Sinon, c'est. Mais c'est quelle chaise? Je comprends plus là. Parce que vous me dites, t'étais à la bonne chaise, mais quand? Là? Là, c'est la bonne chaise? Il faut faire 1, 2, 3, 4, 5. C'est des vrais pas, c'est des vrais pas ça, je suis désolé. C'est cette chaise là ou quoi? Je vais arrêter de bouger. Alors Mister Zilla me dit oui, c'est cette chaise. Donc il faut faire 5 à gauche, 9 vers le haut, 2 à gauche. À gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'était un peu plus... en fait, c'est mon expérience sur Sea of Thieves qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc là, je vais pouvoir retourner au coffre et faire les 4 codes, c'est ça? Le beau jeu. Heureusement que vous êtes là. Ah, faut sauvegarder, se foutre en full PV. Oui, c'est bien. Arrêtez-vous. Mais par contre, ça veut dire que je vais forcément prendre des dégâts si je vais sauvegarder. Alors, je crois que vous me demandez de sauvegarder. Yolo. Alors, attends. Ce jeu est beaucoup trop cool. Je le découvre que maintenant. Heureusement que le chat est là. Sinon j'aurais abandonné au bout de 3 minutes. Voilà. Regardez. On retourne au manoir, on va fuir tous les combats jusqu'à arriver au coffre. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, ça c'était un des trucs qui me gavait dans ce genre de jeu.
pas vous le cacher, je pense que vous le voyez. C'est comme dire, ouais, 60 à 100 heures de jeu, mais si en même temps tu te fais spammer de combat, c'est normal, quoi. Alors. 36 à droite. Merde, j'ai dépassé, putain. Non, non, mais j'ai dépassé, je veux sortir, allez. Mais mon stick est trop sensible pour ça, quoi. Le stick est beaucoup trop sensible. Alors, ouvrir le coffre-fort quand même. Donc, 36. 10. Ok, 59. Alors 36, 10. Perte de temps. Ah, c'est chaud. Ah, il faut appuyer sur X à chaque fois, putain, mais quel gland, quoi. Alors, on va le refaire. Ça, à force, je vais connaître le code par cœur. Hein. Je vais sortir. Putain, c'est con, j'avais réussi. Ah non, on va le faire à la dure. On va pas le faire au clavier.